Qui manie le miel s'en lèche les doigts. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Nouveau monde. Comment tu t'appelles? Pollux. Mettre les voiles. Allez. Un peu de lecture. Bonjour Pollux, ça me fait très plaisir de recevoir ta lettre. On va monter un peu le son. Parce que là, apparemment, il n'y a pas de musique pour l'instant. Ça me fait plaisir de recevoir ta lettre la semaine dernière. Je suis ravi que tu t'intéresses à nouveau à l'apiculture. Papy et moi avions toujours espéré que tu reprendrais la tradition de la famille picultrice. Et la vie est tellement plus agréable ici avec les abeilles. En plus, je pense que ça te fera une pause bien méritée après ton boulot si prenant en ville. Je t'ai envoyé un ticket pour le prochain départ en bateau. Le capitaine sera ravi de te revoir après toutes ces années. Bon voyage et à bientôt. Bisous, mamie! Eh ben, bisous, mamie. Oh! On l'a fait, Pollux. Tu commences à avoir le pied marin. Nous voilà au port Apico. Quelle belle journée qui s'annonce. C'était vraiment agréable de t'avoir à nouveau à bord, matelot. Ça me rappelle des souvenirs. Tu te souviens du chemin? Oh, pas de problème. Voici ma carte. Je connais le coin comme ma poche. Prendre la carte. On va peut-être bouger un petit peu la caméra pour voir. Bon, enfin, tu feras mieux d'aller voir le proprio. Elle est juste au bout de la jetée, en bas à gauche. Elle tient plus en place depuis ta lettre. En bas à gauche. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'aie pas peur de demander. J'ai quelques babioles qui pourraient être utiles. Que les bénédictions de la Sainte Reine t'accompagnent. Et surtout, n'oublie pas, une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Oh. Ok. Alors, je sais pas si on peut jouer à la manette ou si c'est clavier-souris. J'ai les deux, donc on va tester ça. La manette t'as peur de répondre. Oh, quel plaisir de te voir! Laisse-moi voir ta bouille de plus près. Je crois que ça se joue que clavier-souris. As-tu mangé correctement? Qui t'a nourri? As-tu pris ton petit déjeuner? Dois-je mettre la bouilloire en route? Comment s'est passé le trajet? Tu as été malade en bateau ou bien? Ça avait mamie. Hein. Désolé, je m'emporte. C'est si bon de te revoir. J'étais si enthousiaste que quand j'ai reçu ta lettre. J'étais si heureuse quand tu m'as dit que tu comptais te lancer dans l'apiculture. Ça faisait un moment que nous n'avions pas eu d'apiculteur dans la famille. Ton père n'en a jamais fait grand cas. En fouillant dans les vieilles affaires de papy, j'ai trouvé le guide qu'il écrivait. Il semble manquer des choses, alors peut-être que tu pourrais le compléter. Ça signifierait beaucoup pour nous deux. Ok, on a pris le guide du coup. Tu peux consulter le guide à tout moment avec EG. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, jette-y un œil. Je suis certain que la sagesse de ton grand-père te guidera. Enfin, je ferais mieux de te laisser t'installer. Tu dois mourir d'envie de partir à l'exploration de la ville. Ou de l'île aussi, ça va aussi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai à la maison. Fais attention à toi. Au revoir. Voici ta récompense. Ouais, du coup, la manette ne répond pas, donc c'est que clavier souris. Fourri. De la bouillie de riz fourri. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que la caméra est plutôt pas mal. Ah, on est en. Ouais, c'était en azerty. C'était en QWERTY plutôt. Ok. Mamie, maintiens shift pour plus d'informations. Coucou, mamie. C'est bon de te revoir. Ok, j'ai. J'en appuie sur G. Bienvenue dans Apico. Lieu de découverte de l'élevage des abeilles. Ce livre te sert de guide ton du jeu. Si tu as des ennuis, que tu te perds, ce livre est là pour toi. Tu peux ouvrir et fermer le livre en appuyant sur G, ok. Au fur et à mesure de ta progression, tu débloqueras de nouveaux chapitres, chacun avec ses propres défis et récompenses. C'est comme Ok. Ok. Vu l'ensemble, introduction. On va faire ça, hein. On en prend un petit tapis cadeau, donc c'est une abeille commune. Qui peut en savoir plus? Elle s'appelle Béatrice. Bah, bienvenue Béatrice. Tu peux te déplacer en bas à gauche à droite. Ok.
Lorsque tu passes ton curseur sur les éléments, une infobulle s'affiche. Ok. C'est pratique, non? De ouf. Tu peux interagir avec ce qui t'entoure avec la souris. T'as une portée assez folle avec tes mignons petits bras. D'accord. Frappe quelques arbres, cueille quelques fleurs, effraie quelques oiseaux, fais-toi plaisir. Allez, on a une hache. On récupère la hache. C'est vrai qu'il faut appuyer juste sur OK. OK. Lorsque tu cliques un élément, tu utilises un objet qui se trouve dans l'emplacement équipé de ta barre d'outils. OK. C'est classique. Sélectionne la jolie hache que nous venons de te donner en utilisant la touche 1 et 8 de la barre d'outils ou avec la souris. Tu peux changer l'emplacement de la barre en utilisant, oui, d'accord. En faisant défiler avec la molette, tu peux maintenant faire des dégâts. C'est en bois, mais c'est mieux que rien. On va s'en contenter effectivement. Donc fais machin sur quelques arbres. On va dire simplement enfoncer. Collecte 10 bûches. Puis reviens ici. Ok. Ça marche? Bah écoutez. Alors attends. Waouh! Alors du coup, c'est mieux avec la hache, hein. Sinon, on a fait à main nue. On a eu des glands aussi. On fait une belle. Un bon glandu, ça. Ok. Donc là, on a récupéré le bois. On a un établi. Gestion des ressources. Entame la défense de pauvre monde sans défense. Tu vois que tu ramasses des tas de trucs. Ouais. Et du coup, on peut aussi récolter des objets, récolter la moitié, une pile ou en lâcher un. Siège objet pour collecter autant d'objets que tu. Ok. Donc, ouais, tu peux faire des tas, etc. Bon, c'est cool. Tu peux voir ta barre d'outils en haut, mais aussi ouvrir ton inventaire hein, complet en appuyant sur E. Et donc là, on récupère un petit coffre. Il est temps de s'adonner à l'artisanat. Munis-toi de l'établi que nous venons de te donner et pose-le quelque part. Une fois placé, tu peux cliquer sur l'établi pour afficher le menu d'artisanat. Tu verras une recette, un banc de scie. Trouve assez de bûches, fabrique-en un et reviens ici, je t'en prie. Ok. Alors, écoute, on va le poser là. L'établi. Et donc le banc de scie, on peut le fabriquer avec avec ce qu'il faut. Parfait. Mince. Bon, je l'ai posé là, c'est pas grave. Est-ce que je peux le bouton déplacement? Alors, c'est pour déplacer. Est-ce que je peux le récupérer? Mince. Bah, je sais pas encore comment on fait pour. Pour le déplacer, le coco. Non, non. J'essaie différents clics. Qu'est-ce que c'est? Case du pot du bois, case de retrait de la scierie. Oui, c'est pour les infos, ça. Ah, et du coup, il y a la. Ok. Bon, j'ai peut-être fait un peu de. Pas grave. Alors attends, du coup, boum. Donc c'est bon, là, on l'a construit. L'étape suivante. C'est tout pour cette introduction, mais ne vous inquiétez pas, nous allons pas t'abandonner comme ça, avec rien d'autre que des abeilles pour te tenir compagnie. Quoique ça a l'air génial comme idée, c'est vrai ça. Au fur et à mesure que tu découvriras et fabriqueras de nouveaux objets, tu débloqueras de nouveaux chapitres de ce livre où tu pourras relever différents défis et obtenir des récompenses. Alors garde un œil dessus. On va faire ça. Alors, maintenant, prends ton envol. Comment? Non, ne pleure pas, j'ai juste une poussière. Je ne pleure pas, j'ai juste une poussière dans l'œil. Oh, c'est mignon. Allez. Et ça sauvegarde, du coup. Donc, maintenant que tu as un banc de scie, tu peux commencer à découper tes bûches pour en faire d'autres matériaux. Place la bûche dans l'emplacement à gauche et tu verras alors apparaître un petit, une petite perle. Clique et fais glisser le manche avec la souris.
de gauche à droite pour faire que tes bûches de faire de tes bûches des planches en bois. Il est également possible de découper les planches pour en faire des tiges qui sont utilisées pour fabriquer des outils et effrayer les oiseaux qui tentent de voler tes affaires. Quoi? Il y a des oiseaux qui essaient de voler mes affaires? C'est pas gentil. Un jour ou l'autre, tu pourras améliorer tes outils et tu n'auras plus à couper du bois à la main. Alors que ce soit ton truc, on ne juge pas. Ok. Magie de l'interface. Tu as sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de menus dans ce jeu. Si tu veux en savoir plus sur les menus, appuie simplement sur le point d'interrogation pour obtenir des conseils pratiques. Tu peux déplacer tous les menus, lui restant ouvert jusqu'à ce que tu les fermes. Ah, du coup, on a eu un petit coffre encore. Comment avancer? À ce stade, tu as probablement assez. Tu vas probablement assez vous déplacer le jeu par un. Seulement, il y a un bouton. Il y avait un moyen plus rapide de les déplacer. Heureusement pour toi, il y en a un. Lorsque deux menus sont ouverts, tu peux utiliser Shift tout en cliquant sur la souris pour déplacer les piles dans l'autre menu. Ok. Ouais, c'est classique. Si tu as plus de deux menus ouverts, tu peux utiliser le bouton Pouf pour les fédérer comme cible. Ok. Ils sont transférés vers le menu cible. Youhou. Tu peux également appuyer sur Q pour surveiller n'importe quel menu pour définir comme cible. Maintenant, on est bon. On a du pollen d'abeille du coup. Le rangement. Le rangement, c'est maintenant. T'as déjà ramassé un sacré paquet de trucs. Tu es tel un dragon se prélassant sur sa montagne d'abeilles et de bois. À ce stade, il devient probablement difficile de rester au sommet de la montagne. Mais on a une solution pour toi. Heureusement, ton inventaire et les caisses d'objets ont une fonctionnalité de tri automatique intégrée. Il suffit de cliquer sur le machin. Ça trie dans l'ordre alphabétique. Tu peux également cliquer sur machin, c'est n'importe quel emplacement vide. Ça va mieux. On a un grand coffre du coup. Tu apprécies le monde paisible d'Apico? Qu'attends-tu pour monter tes ruches pour montrer tes ruches au monde entier? Tu peux activer le mode photo à tout moment. Ok, on peut faire des photos. Puis on peut utiliser le hashtag, n'est-ce pas? On a des perles collantes. Au début, il se peut que tu ne puisses pas faire grand-chose pendant la nuit, ou lorsqu'il pleut, si tu n'as pas d'abeille active à ces moments-là. Les bancs et les lits te permettent de faire une sieste pendant que tu rêves d'abeilles, le temps sera accéléré. Le jour passe ainsi plus vite, ce qui a des répercussions sur les arbres et les jeunes pousses plantées. La météo évolue également plus rapidement. Dormir dans détermine également ton point de réapparition. Maintiens R pendant 5 secondes, te fera réapparaître au dernier sur lequel tu as dormi. Cependant, ça n'accélérera pas la productivité de tes ruches. Soyons réalistes. On a eu un banc du coup. Lune de miel. Si tu regardes en l'air un soir au-delà de ces rectangles bruns géants dont tu feins d'ignorer l'existence, tu pourras parfois voir la lune. Chaque nuit, la lune parcourt l'un de ces huit cycles qui culminent avec la pleine lune. Alors, lors d'une pleine lune, tu auras beaucoup plus de chances que d'habitude. C'est le moment idéal pour acheter un billet de loterie. Ah, il y a de la loterie. Ça me fait penser un petit peu à Animal Crossing. Hein. Il y a pas mal de choses qui ressemblent un petit peu en même temps. Bah, c'est, voilà, n'est-ce pas? De plus, la myélite est une résonance plus forte. Ah, une résonance plus forte. La myélite? Je sais pas ce que c'est. Lors d'une pleine lune, c'est sûrement important. Tom's Pocket Watch. C'est la montre à gousset de Tom. Tom Hook? On parle d'Animal Crossing et il y a Tom qui apparaît. C'est quand même bizarre, ça. Hein. C'est quand même très étrange. C'est quand même très très étrange. Il y a plein de choses, hein. Oh là là, il y a la race de trucs. Attrapez-les toutes. Venons-en au sujet central, les abeilles. Pour commencer ton parcours apicole, tu dois trouver des abeilles dans la nature. Différentes espèces d'abeilles peuvent être trouvées dans différents environnements. Observe les abeilles. Merde. Elles finissent toujours par rentrer dans leur ruche. Oh ben ça, c'est bien. Pour commencer, tu auras besoin d'une abeille commune, d'une abeille forestière et d'une abeille fluviale. Une fois que tu as trouvé une ruche, tu peux l'ouvrir avec la souris pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et prendre n'importe lequel des abeilles avec toi. Tu peux aussi ramasser une ruche avec un marteau, délicatement. Bien entendu. Donc là, on a pour l'instant une abeille commune, effectivement, qu'on a eu en récompense de quête, et donc on peut avoir une ruche si on a les trois. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter pour sentir les fleurs? Tes abeilles adorent le faire. Tu peux cueillir des fleurs avec la souris et les placer près de tes ruches pour que tes abeilles les pollinisent.
Les fleurs, pollinisées par les abeilles, se répandront et se développeront petit à petit. Plus tard, quand tu auras un extracteur, tu pourras obtenir des graines de fleurs à partir de tes ruches en fonction des fleurs qu'elles ont pollinisées. Tu pourras même découvrir de nouvelles fleurs hybrides qui peuvent avoir des effets directs sur les abeilles voisines. Par exemple, en augmentant leur productivité ou en leur permettant de rester éveillées la nuit. Et ça, c'est quand même tout bonnement incroyable. Incision des arbres. Qu'est-ce qui est marron et collant? Bah oui, je suppose que oui, mais je pensais plutôt à la résine d'arbre. Il pensait à quoi? Il est bizarre. Donc, la collecte de résine pour les arbres permet d'infuser le bois pour le rendre plus souple et augmenter sa durabilité. Pour obtenir de la résine d'un arbre, il faut fabriquer un inciseur. Tu peux utiliser un inciseur en l'équipant et en cliquant sur un arbre avec la souris. Bouidri, souris. Bah écoute, on va faire ça déjà. On va faire des tiges de bois et des planches de bois. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ainsi est-il tout étant. Qu'il pisse contre le vent, les pieds mouillés. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors attendez, là on est sur. C'est quoi ça? Pousse d'arbre. On a même une des. D'accord. Ah, on a deux haches aussi en bois. J'imagine qu'on peut aussi. On peut construire du coup des. Des outils, non? Outils. Tige de bois et planche en bois. Ok. Bon, ce genre de jeu, je kiffe particulièrement. C'est un bon passe-temps. Donc, en vrai, il y a moyen de moyenne âge. Du coup, c'est quoi qu'on doit faire? Hop, on va tout ça. Ouais, c'est rigolo. Hein. On va couper tout. Mais c'est quoi ça? C'est de la sciure. Okay. Bon, c'est un petit peu long et face du jeu au début, mais il y aura moyen de d'automatiser ça normalement. Nouvelle recette, val établi. Ah oui? Et donc, si j'appuie sur E, je vois tout ça. J'ai des feuilles aussi. Allons à l'établi. On a des nouvelles recettes. Un établi. Bon, on avait déjà la possibilité. Ah non, on n'avait peut-être pas encore la possibilité de refaire un établi. Une bibliothèque, porte-revue, moodwork bench. C'est pour quoi ça? C'est pour faire des potions? Machine à bougies. Prédicteur. Oula. Planche en labris. Planche en dalle de bois. Bordure de bois, plancher de quai, mur en bois, petit pot de fleurs, grand pot de fleurs, mur végétal. Ok. Oui, on peut construire aussi. Il y a vraiment toute cette notion de craft qui est très très présente. Alors attendez, il fallait qu'on fasse des tiges aussi, hein, des tiges de bois. Donc on va retourner ici. Brindis. Je pense que si on met ça. On va faire des tiges de bois, c'est ça? Oui. Ah, j'ai pas été jusqu'au bout, excusez-moi. Voici ta récompense, touchons du bois. Attends, j'en fais 20. Nouvelle recette dans l'établi. Oui, donc. Clôture en bois. Après, de toute façon, au début, c'est normal. Un petit coffre, grand coffre, un banc, une poubelle, un ciseur, la hache en bois, on l'avait déjà. Mais là, je pense qu'on peut la craft, c'est pour ça qu'il nous. On peut avoir aussi une pioche en bois, une bêche, un marteau en bois. C'est pour les ruches, du coup.
Et on a un pinceau aussi. Ok. Ok. Du coup, je joue à un jeu. Attendez, du coup, j'envoie un petit message. Du coup, je joue à un jeu où je suis un apiculteur. Voilà. Alors, tout, 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 mince. Je vais avoir l'habitude d'appuyer sur échappe, échappe, échappe. Donc là, on a réussi à faire ça, touchons du bois. Les outils de base. Pour collecter certaines ressources, il faut disposer des outils adéquats. Tu ne peux pas te contenter de frapper des arbres à main nue. Bah, c'est ce qu'on a fait un petit peu, ouais, c'est pas ouf, ouf, quoi. Et donc là, on va devoir crafter tous les outils, donc c'est normal. Donc les haches, ça permet effectivement de ramasser des bois. Du bois, des bûches. Les pioches permettent d'extraire des pierres, des rochers. La bêche permet de déterrer les semis et les pousses. Le marteau permet de ramasser les objets d'artisanat et les. Ok, il y a des petits problèmes de. Mais ça va bien se passer. Hein. Moi, j'y crois, dur comme fer. Ok. Si tu t'en fabriques un de chaque, je te donnerai un tas de pierres. Si ça, c'est pas génial. C'est vrai que c'est plutôt incroyable ce que tu me racontes là. Tu sais qu'il n'y a aucune contrainte à vivre à même le sol ou s'abriter sous un arbre. Il est temps de te construire ton propre chez-toi. Les carreaux et les murs placés s'accrochent automatiquement à la grille. Tu peux en placer plusieurs à la fois. Maintenant, enfoncer machin. Si tu fais une erreur, tu peux utiliser un marteau pour récupérer ce que tu as posé. Ok. Mur en bois. Plancher en lambris. Donc il veut qu'on construise aussi notre maison. On va faire les petits outils du coup. La pioche, la bêche et le marteau. Hop hop hop. Vas-y, attends. On va faire pioche, bêche, marteau du coup. La pioche. La bêche. Ah, et le marteau, il va nous manquer il nous manquait des petites planches. Des petites. J'ai 90. Oh. Ça, c'est encore un jeu que je vais faire comme ça en off quand j'ai un petit peu de temps. Il est rigolo pour l'instant. Pour l'instant, il est sympa. Après, c'est le début, hein, c'est comme tout. Mince, qu'est-ce que je fais? C'est ça que je voulais. Hop, voilà. Donc, et si je clique là-dessus, ça m'envoie direct. Ok. Let's go! Donc j'ai eu un tas de pierres. Je suis bien content. Et donc là, je peux construire ma maison. Je veux que je construise ma maison avec 16 murs en bois. 16 murs en bois et 16 lambris. C'est ici. Hein, Ah, du coup, on a eu les outils. Ah oui, avec de la pierre, effectivement, bah, c'est logique. Hein, c'est comme n'importe quel jeu. On peut faire un crayon, un récipient en bois et un outil de ruche. Ok. Et donc là, on a les modèles en pierre qui sont plus résistants que le bois, etc. Un racleur! Alors, le mur en bois, il nous en faut. Je sais plus combien il nous en faut. Il nous en faut 16, ouais. Je vais faire 16 directement. Hein. Hop, voilà. Alors. Tu t'es construit une jolie petite bicoque. Bah non, j'ai juste crafté ce qu'il fallait pour, mais je l'ai pas encore construit. Décide d'embrasser la vie de druide. Je suis personne pour juger. Ne serait-ce pas merveilleux si tu pouvais peindre ta maison en ajoutant des couleurs, des codes couleurs à tes rangements. Bon. Eh bien, bonne nouvelle, tu peux fabriquer des teintures en utilisant des fleurs,
La colle en utilisant du pinceau pour peindre n'importe quelle planche, mur ou objet, de couleur de ton choix. Si tu décides de changer d'air, tu peux utiliser un racleur pour retirer la peinture. Ok. La teinture rouge avec un pinceau. Ça marche. Alors pour le coup, la peinture rouge, je ne sais pas encore comment la faire. Peinture rouge. Colle. Ah, la colle, c'est avec la. Il me faut l'outil là. Que je vais fabriquer. Voilà, attends, on va le mettre à la place du gland. Le gland de lait. Hop. Bah, la planche aussi, tu me diras, on n'en a pas besoin. Les abeilles non plus d'ailleurs, mais bref. Alors, 5. Voilà, on met du coup ici l'arbre entaillé. Donc on va pouvoir récupérer de la colle par là-bas. Ensuite, quelle est la suite? Donc ça c'est pour la colle. Le pinceau, bon, on le fera tout à l'heure. Là, on va attraper les tous. On va peut-être commencer à... Non? Ah ben ça je l'ai fait du coup. Inciser des arbres. Bah, du coup, il y a plein de trucs à faire en même temps. Donc, c'est normal. Ça me fait penser un peu aussi à Grazia Keeper, Stardew Valley, tous ces jeux-là où, au début du jeu, en fait, t'as un masse de trucs à faire et du coup, tu peux pas t'ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire. J'espère pour toi que tu aimes la pluie, car dans ce chapitre, tu vas pas. Ça va pas venir à manquer, effectivement. Bah, comme en ce moment, hein. Je sais pas si vous regardez par vos fenêtres de temps en temps là, mais le mois de juin de l'année 2024, parce que je pense que la vidéo sera sur YouTube, donc YouTube, hein, si tu nous regardes, est-ce que chez toi il fait beau en ce moment ou pas? Parce que nous, on est fin juin et il pleut comme vache qui pisse, comme dirait ma mère. Du coup, c'est un peu un désastre. Mais bon, comme tu l'as peut-être compris, toutes les abeilles n'aiment pas la pluie, mais certaines en raffolent. C'est aussi une source d'eau très utile, si seulement on avait un moyen de la recueillir. Attends un peu, on peut la récupérer. Tu peux fabriquer des réservoirs d'eau pour recueillir et stocker l'eau de pluie. Plus tard, quand tu auras fait le plein de miel, tu pourras combiner les deux et faire un délicieux apicola? Une boisson du coup, ok. L'apicola. Donc un récupérateur d'eau. Maintenant que tu as incisé ces arbres, tu peux probablement commencer à collecter de la résine. Il est possible de fabriquer des récipients à partir de matériaux imperméables obtenables à partir de nénuphars qui poussent dans des eaux peu profondes. Ok, des nénuphars. Les récipients sont... Alors par contre, c'est un peu chiant que... C'est coupé en fait. J'ai pas la suite du texte, mais bon. Les récipients sont portables, mais ne peuvent contenir qu'une petite quantité de liquide. Les tonneaux ne peuvent pas être déplacés, mais peuvent... Choucroute. Cependant, attention avec tes marteaux. Un tonneau fendu répandra son précieux liquide partout. Effectivement, on peut fendre le tonneau, et ça serait quand même terrible. Ça serait quand même terrible. Donc là, ce qu'on va faire... C'est bien beau tout ça, mais... On va. Alors, on peut récolter l'eau de pluie. Est-ce qu'on a. Établi poubelle. Est-ce qu'on peut récupérer l'eau de pluie? On a des récipients en bois. Ah, imperméabilisation, effectivement, avec les nénuphars. Machine à bougie. Prédicteur. On n'a pas encore. On n'a pas encore ce qu'il faut. Une ruche. Casse de retrait du liquide. Si on fait ça comme ça, est-ce que ça s'automatise? J'ai l'impression que ça remplit directement le truc, ça peut être bien ça du coup.
On n'en a pas d'autres. Non, on n'en a pas d'autres. On a du pollen d'abeille. Ok. Après, ça, on peut le garder dans un coin. Ça peut être pas mal. Par contre, il n'y a pas de musique dans le jeu. Ça, c'est un des. Ils auraient peut-être. Après, bon, il y a le son de la nature, etc. Ça, c'est sympa, mais toute petite musique d'ambiance. J'aime bien, moi, les petites musiques d'ambiance. Là, du coup, ça manque un peu. André. Je vous laisse profiter un petit peu du son de la nature. Et donc là, il fait nuit. Crépuscule. C'est le crépuscule. Ok. Nénuphar lâché. Approche-toi de cet objet. Ok. Nouvelle recette. Cet objet doit être placé sur l'eau. Imperméabilise Zizi. Des tonneaux. Infuseur. Il y a tellement de trucs. Ouais, du coup, on va faire ça. On a 15. Et du coup, on va peut-être en refaire deux. Ah, je suis plein au niveau de. Ah oui, je suis plein. On va mettre un petit coffre. Ah merde. Attends, ouais, on peut faire ça. Grand coffre, banc, petit coffre, gland. On va laisser proche de l'établi. Alors en vrai, on peut mettre tout, hein. Est-ce que si par exemple, voilà, du coup il me prend pas, même si c'est à côté de l'établi, il faut que je l'ai sur moi pour pouvoir le crafter. Donc il faut que j'ai toujours les trucs sur moi pour que ça fonctionne. Okay. Très bien. Donc là, il faut que je mette un récupérateur d'eau, c'est vrai. Récupérateur d'eau, récupérateur d'eau. Donc il faut que j'imperméabilise encore. Donc il me faut des nénuphars. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Arbre totalement drainé. Ok. Du coup, est-ce que si je le. Ah, du coup, ça m'enlève. Ça m'enlève mon robinet. Faudra que j'en refasse. Ok. Et ça, du coup, c'est tige et planche. Après, tige et planche, j'ai l'impression que faut quand même que je les garde sur moi en permanence parce que je vais en avoir besoin tout le temps. J'ai l'impression. Hein. Hop. Hop. On va mettre plutôt celle-ci. On veut pas les stack? Non, on veut pas les stack. Ça, c'est bien dommage. Ça, c'est bien dommage. Du coup, on va les ranger. Bûche. Des glands. Toi, le gland.
Tu veux voir mon gland de lait? Alors. Ah, je peux aller dans l'eau. Bonjour, monsieur le capitaine. Ah, quand on effraie les oiseaux, on a des plumes. Ça, c'est tout bonnement incroyable. Le bateau du capitaine. Voilà, on peut pas aller trop profond. Ok, ça marche. Wow. Qu'est-ce que c'est ça? Lecture. Portail de la Sainte Reine. Hôtel de la Sainte Reine. Du coup, il y a de la musique qui s'est lancée. Attendez, c'était de la lecture, mais c'était plutôt là-dedans, non? Pas du tout. Oh putain, il y a un méchant. Le marchand. Qu'est-ce que ça c'était? Que faites-vous ici? Vous avez des trucs rares à vendre. Des peluches. J'ai pas d'argent. J'ai absolument pas d'argent, mais du coup, il y a un marchand. Ok. Bon, je prends la race de nénuphar, je vais en avoir besoin, j'imagine. Oui, il y a un poisson, vous avez vu. Je peux pas prendre le poisson. Donc là, la ruche, là, on peut effectivement la pécho avec le marteau. C'est ce qu'on va faire. Attends, on va récupérer 30 nénuphars. Et en avant, Guingamp. Est-ce qu'on peut le mettre directement le chiffre? Ouais. Hop. Et donc, il nous faut un récupérateur d'eau. Il me faut 3 bûches. J'ai plus de bûches. Et bah, c'est des rimes. Récupérateur d'eau. On fabrique. Ça pleut, ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Donc du coup le récupérateur de flotte, on peut le mettre n'importe où en vrai. Genre si on le met là. Et donc on peut avoir un autre récipient. Quand il va pleuvoir, du coup, ok. Donc il y aurait plus grand chose comme. Ah, ça a beaucoup de contenants hein, quand même, ces petits trucs-là. Ok, ça marche. Alors. Du coup, on a dit quoi? Donc il faut toujours qu'on fasse ça. Ça coule de source. Maintenant que tu as incisé machin, c'était quoi? Tonneau. On peut mettre des tonneaux, maintien tonneau machin mais d'une poète. Attends, on va craft un tonneau. Un tonneau. Ok, ça coule de source. On a récupéré un autre tonneau. Alors. Là, tu veux dire que je peux mettre un tonneau à la place des petits récipients là pour que ça dure encore plus longtemps? C'est possible.
À ce stade, tu as probablement de quoi te faire un bain de résine. Il est donc temps de mettre tout ça à profit. En infusant ton bois avec de la résine, tu peux le rendre plus solide et plus souple, te permettant de créer des objets plus performants. Pour commencer, tu vas devoir fabriquer un infuseur. Il utilise de la résine pour infuser les planches et les tiges. Pratique, non? Par contre, je ne pense pas que ça fonctionne avec les humains. Ah! Tige en bois infusée, planche en bois infusée. On va faire un infuseur. Infuseur. Ah, il ne manque que des planches. Est-ce que j'ai des planches? J'ai pas de planches. J'ai pas de planches. J'ai pas de planches. J'ai plus de bûches non plus. T'as mis quel désastre? Ça part une de ces vitesses. Bon, on va enlever tout ça là. Je sais pas si ça pousse. Un arbuste. Y a des fleurs aussi, donc les fleurs, on va les conserver, on va les mettre près des ruches quand finalement on ira faire des ruches, hein, parce que là actuellement on fait tout sauf les ruches. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, ma hache est sur le point de céder d'ailleurs. Mettons des planches. Non, des bûches, des bûches. Ma bûche. On ira voir le capitaine aussi au bout d'un moment. On est à l'aube, on n'a pas dormi du coup. On n'a pas besoin de dormir en fait. Quand on est un apiculteur, on dort pas en fait. Ça, la magie en fait de l'apiculture. Si j'avais su. Si j'avais su. Si maman, si. Si maman, si. Je sais pas si ça se stack jusqu'à combien. Je ne sais pas. Un infuseur, du coup, on a dit. Ok. Du coup, ah, j'ai pas encore la résine arrive. Merde. Calme-toi. L'arbre est totalement drainé. Donc, ok. Là, du coup, si on met ça, on peut mettre des planches ou des tiges. Ah, du coup, on récupère ça. Et du coup, ça marche comme ça? Infusé, ok, c'est bien ça. Nickel! Bah, du coup, on va devoir prendre, effectivement, on va en mettre pas mal, hein, des inciseurs, usage unique. Ah bah du coup il faut des tiges de bois forcément. Forcément, forcément. Tiges de bois, tiges de bois. Des bûches. Des planches de bois. Pourquoi est-ce que j'ai encore... Hop. Hop, hop. Est-ce qu'on peut stacker à plus de 60 de ces trucs-là? Oui. Ok. Je sais pas jusqu'à combien on peut stack. On verra. Hein. Il me faut des planches en bois. Mais j'avais. Elles sont mes planches.
Alors, retire ton gland de lait. On va le mettre là. En fait, je vise principalement les grands arbres. Je sais pas si c'est vraiment au petit ou pas, mais. Et du coup, il nous faut des planches. Attends, on faisait comment? Ah oui, c'était ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a des tiges infusées. Nouvelle recette dans l'établi. Fermenteur. Faut faire des mensonges, ça, je reconnais. Alors, lecture. Bryopsie. Mais ça, je sais pas où ce que c'est. Infuseur froid. J'ai des trucs, mais Ah, il y a mamie. Bah oui, c'est le jour. Il est 8h. Paris se lève. Il y a un panneau d'affichage. Ah, il y a une ruche. Ok. Je suis parti dans tous les sens. Hein. Je suis parti dans tous les sens. Quel désastre. Ah, on n'a toujours pas fait de pinceau d'ailleurs. Lenny, la teinture rouge, il faut qu'on récupère des fleurs pour ça. On n'a toujours pas fait les abeilles. Tournabelle. Et des roses à miel. Infuseur à froid. Je suis en train de m'éparpiller dans tous les sens. C'est normal, c'est le jeu qui veut ça. C'est normal, c'est le jeu qui veut ça. Alors, à ce stade, t'as probablement de quoi faire un bain de résine, effectivement. Je suis en train de faire les. Ah, il faut que je les ai sur moi, apparemment. Sinon, ça marche pas. Apparemment, non. Ok. Récipient de cire. Alors, le temps est à l'amélioration. Maintenant que tu as traité ton bois, il est temps de se faire plaisir. Grâce au bois infusé, tu peux fabriquer des améliorations pour la plupart de tes machines et surtout de tes ruches. Les ruchers avancés, ils donnent plus d'espace au cadre, ce qui signifie que tu peux augmenter ta production pour une ruche spécifique. Et ça, ils sacrifient la production pour augmenter la qualité de progéniture d'une reine. L'utilisation d'un essaim donne plus de chances d'avoir une descendance hybride, soit plus de chances de mutation en de nouvelles espèces. Ah. Un couvain et rucher avancé. On n'en est pas là, hein. Nous on est encore. On a grillé les étapes. Non, il faut déjà qu'on chope des abeilles forestières et des abeilles fluviales. Ouais, là, on a vraiment été dans tous les sens. D'ailleurs, ainsi est-il tout étant. Tiradidou. 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 J'ai installé les trucs, mais attends. Ah oui, j'ai pas mis. Attends. Ah oui, si tu mets pas de bocaux. Un bocal des bocaux. Attends, du coup, c'était combien de fleurs je devais récupérer? 5 de chaque. Le pouvoir des fleurs. Allô? Hop.
Hop, et hop. Recueil de Mélona. Encore un bouquin. Le croisement des fleurs est facile, tes abeilles font tout le travail pour toi. Oh là là, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Y a beaucoup trop de choses. On va boire du caf, hein. Alors, lorsqu'une abeille se pose sur une fleur, elle recueille du pollen, des graines et toutes sortes d'autres substances florales qu'elle ramène à la ruche. Lorsque tu utilises des cadres dans tes ruches, cette matière s'accumule dans les cadres et se mélange. En fonction des fleurs butinées par tes abeilles, tu obtiendras des graines différentes lorsque tu extrais tes cadres. Ok. Si tu as de la chance, les différentes graines peuvent se mélanger et produire des graines hybrides de nouvelles espèces. Tu as peut-être remarqué quelques amis virevoltant autour de tes fleurs. Les papillons sont non seulement d'excellentes compagnies, mais aussi d'excellentes pollinisateurs, contribuant à la propagation des fleurs comme le font les abeilles. Quand les papillons sont dans un hôtel à papillons, ils peuvent entraîner la mutation croisée de leurs fleurs favorites, créant ainsi de toutes nouvelles variantes. Si tu veux en savoir plus sur les papillons, dirige-toi vers l'ouest et cherche le professeur Stou. Du coup, on a aussi. Waouh, c'est incroyable, hein? En vrai, ce jeu a vraiment un but pédagogique incroyable. Pour le coup, on avait déjà fait Bee Simulator. C'était un jeu où on simulait, c'était un jeu de simulation d'abeilles. Donc on a déjà eu pas mal d'infos par rapport aux abeilles et tout, mais c'est chouette. On en sait déjà pas mal, mais je pense qu'on va en savoir plus parce que là, il parle même des fleurs, etc. Donc plutôt sympa en tout cas. Donc la Rosa hydromela, Rosa miel, connue sous son doux parfum, pour son doux parfum. La rosa miel est la fleur la plus commune de l'archipel. Les apiculteurs l'apprécient pour son merveilleux effet relaxant sur les ruches pendant l'enfumage. Elle est connue pour appeler les espèces suivantes. L'abeille bourbeuse. Donc ça, c'est ce qu'on a récupéré dans l'eau. Cette ravissante fleur aquatique aux allures de lotus se développe dans les eaux peu profondes près des terres. Le colorant bleu produit à partir du lotus sam est très populaire dans le milieu de la mode. Ça apaise des espèces bourbeuses et ermites. Et donc on peut faire des assemblages, des mutations pour faire ces trucs-là. Donc la tournabelle, quand le soleil brille, la tournabelle le lui rend bien. Elle ne pousse que dans les climats tempérés. Elle est considérée comme un porte-bonheur et une bénédiction de la Sainte Reine elle-même. Ok. Eh bien, écoutez. Bâton de. Ah, ok. Waouh, il faut. Il y a des quêtes annexes dans tous les sens. Ah, bah, c'est bon, j'ai tout fait là, non? Il me met encore. Attends. Il me met encore une notification. Ah, je suis plein. Je suis plein. Un tonneau. Le tonneau. Alors, attends, ouais, non, mais c'est un. Je vais reposer un grand coffre, j'imagine. Attends. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le grand coffre dans le. Vas-y, tu sais quoi, on va mettre tous les trucs là. Ah, je crois que la branche, la brindille, on en avait. Sert à transformer divers liquides produits par les abeilles, travaillés, fabriqués par les ouvrières, stockés d'excellents miels. C'est très utile pour les humains. Voilà. Quel désastre!
Alors. L'arbre est totalement drainé. Donc là, on peut mettre ça. Hop, et ça. Comme ça, du coup, notre infuseur, il prend la max. Ok. Donc, il nous faut des tiges encore. Planche de bois infusée. J'ai envie de canner. Allez, on fait les tiges. Il manquerait plus qu'il y ait de la pêche. Et on serait max, hein. Alors, la sciure de bois, on aura l'utilité ici, apparemment. La sciure de bois. Pour quelle utilité on peut avoir besoin de la sciure de bois? Écoutez, on peut fabriquer le pinceau, voilà, il m'en a demandé là. Ah, c'est avec le pinceau qu'on gagne ça, pardon, j'avais pas compris ça comme ça. Alors, ah, réglé comme une horloge. En plus de moderniser nos ruchers, on peut maintenant moderniser toutes nos machines pour épargner à nos pauvres mimines tout ce travail manuel. Autant de la colle à base de propolis et des tiges infusées, il est possible de fabriquer des rouages. Avec ces rouages, on peut commencer à fabriquer des machines semi-automatiques. Tout ce que tu as à faire avec les machines semi-automatiques, c'est de les remonter et de les regarder se mettre au travail à ta place. Ok, commençons par transformer ton banc de scie en scierie. Alors, le banc de scie en scierie. Comment on fait? Est-ce que c'est là qu'on a... Ça sent de peinture. Une scierie. Il faut un banc de scie. Est-ce que le banc de scie, on peut pas le... Rouage en bois. Rouage en bois, on a bien de colle. Pour la colle, on a besoin de... De propolis. Et pour la propolis... Elle est où la propolis? Ouais, je pense qu'on va trop vite, hein. On va trop vite, hein, je crois bien. Tidadidou. Tidadidou. Tidadidoudoudou. Tidatidatidou. On va être dans le grand coffre des trucs là. Hop. Tidatidatidou. Hop, hop, hop. Voilà.
Il y a des trucs que j'ai finis, il y a des trucs que j'ai même pas commencé. Bon, vas-y, on va faire les abeilles. Parce qu'après tout, on est là pour ça, non? Marteau. Nouvelle recette dans l'établi. Ah, vous avez vu, c'est avec le marteau du coup qu'on retire. Et là, du coup, on a débloqué toutes les tous les trucs.